Formation après la gain pour nous développer matin dans le journal ça, prestation, serment, installation, conseil présidentiel, l'assemblée, c'est pas pour demain. Conseil ministre pas arrivé décidé sous publication dans le journal officiel pays les moniteurs, accord politique pour une transition pacifique à coordonner. Et puis projet décret concernant création, organisation et fonctionnement conseil présidentiel. Après environ 2 heures de discussion, ministre gouvernement de facto a décidé transmettre by service juridique ministériel projet accord sur création, organisation et fonctionnement CP1 en façon pour vérifier si document ça conforme à la loi organique ministériel. Nous apprenons tout avant nomination au conseil ministériel a décidé. Il faut que vous gagniez un dossier chaque membre conseil présidentiel là, de façon pour vérifier si vous répondez à critères constitutionnels. Cela a présenté bilan partiel différentes interventions et opérations menées sorti 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Institution la police là qui renouvelé volonté li pour continuer traquer bandi exam yo annoncé gen 6 policiers qui blessés pendant dernière opération yo 5 exam saisi yon policier qui porté nom Osile Stafford arrêté pour implication présumé li à gang exam yo concernant dossier exam ak munition terminal au Cap là la police continue à chercher Wilman Jean ak yon certain Batol qui te gen munition pour venir récupérer yon quantité 26 exam parmi yo 12 fusils à 14 pistolets. Porte-parole PNH là, garde deuxième des populations hein, continuer accompagner institution la police là, n'a fourni yo bon gens information sous cachette bandio. Conseiller la Maison Blanche sous affaires sécurité nationale Jake Sullivan déclaré y a continuer travail pour faire Congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale pour Haïti à plus vite possible. Conseiller Maison Blanche l'a rappelé, c'est pays Kenya qui a bien pour diriger force ça qui principal objectif li qui gagne comme principal objectif est déstabiliser Haïti et puis établir calme pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. États-Unis a dirigé un effort global pour aider rétablir stabilité avec continuité grâce à une force multinationale. Nous besoin l'argent pour faire ça d'après Sullivan qui dit administration Biden a cherché support démocrate cour républicain à Congrès pour débloquer l'argent une façon pour faciliter déploiement force multinationale. Démolition kay qui trouvait au Koléak mais aéroport international Toussaint Louverture là c'est ta principale condition compagnie assurance ak compagnie aérienne yo bay pour permettre vol yo reprendre aéroport là qui pas fonctionné depuis plus passé un mois après plusieurs rencontres représentant ministère finance AAN au FNAC TPTC ak Meritaba pour te joindre une bonne formule pour résoudre problème ça et ben l'état haïtien nan pire au niveau tamen yon opération démolition 183 kay qui trouvé yo collé ak muraille aéroport badi exam yo té utilisé kay sa yo pour tirer coup d'zam tirer sur avion qui campait sur puce atterrissage là ak bâtiment administratif à Enyo. Trésor public débloqué plus passer 300 millions goud pour dédommager premier groupe moun qui gen kay yo nan fait ou bien clôture aéroport là. Processus livraison chèk yo déjà commencé côté après évaluation des propriétaires kay qui a besoin de sortie dans 500 000 pour arriver 32 millions goud. Côte américaine dans San Juan Kembe yon centaine migrants dominicains ak haïtiens qui t'ap tenté rentrer illégalement Porto Rico week-end passé a depuis octobre 2023 garde côte mené 28 opérations et puis arrêté 932 étrangers majorité là-dedans c'est dominicains soit 932 yon vénézuélien ak 41 haïtiens k'ap tenté rentrer illégalement dans Porto Rico. Plateforme nationale secteur populaire haïtien a annoncé destitution Yannick Mézil Lérisson comme président Patia d'après membre directoire Plan Spa ancien ministre conditions femmes nan par arrivé atterri ak salité gayé comme mission tant pour estructurer Patia et puis réaliser congrès pour te renouveler personnel là mettez sous ça membre Patia n'a parlé de membre Plan Spa yo dénoncé madame Mézil comme quoi il t'a pris plusieurs décisions dans Patia sans contacter l'autre membre. Et puis matin on en dit